quand j'écris, j'ai du plaisir, moi, à retrouver des mots. Il y a des mots qui me plaisent beaucoup dans la langue française. Ça n'a aucun rapport les uns avec les autres. Mais j'aime le mot ronronnement, j'aime le mot porphyre, j'aime le mot géranium. Il y a toutes sortes de mots comme ça qui n'ont aucun lien les uns entre les autres. Mais et bien sûr, le mot profiterole. J'imagine que vous savez tous ce que sont les profiteroles. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon, voilà. Gâteau. Je pense que c'est chocolat. Un gâteau sans chocolat, c'est pas un vrai gâteau. Pour un vrai dessert, il faut que ça dégouline de gâteau et de crème. Et moi, j'aime qu'il y ait des textures différentes. Tu sais, des côtés un peu pralinés, un peu croquants, puis des côtés tout à fait moelleux qu'on aura envie de se coucher dedans. Moi, je fais très, très, très bon gâteau moelleux au chocolat. Et je peux vous dire que quand j'en fais, mes amis en redemandent. Mais s'il y en a qui veulent la recette, je vais vous la donner. En août, c'est le 40e anniversaire de la Charte de la langue française. Il faut que la langue soit fêtée et célébrée. Alors, tous les anniversaires devraient être célébrés, pas juste le 40e, mais bon, le 41e, le 42e, le 43e. Il faut célébrer. Dès qu'on attire l'attention sur la langue française, qui est vraiment une très belle langue, il faut la fêter. Ah oui, mon dessert, ça serait un gros gâteau avec 40 étages. Le glaçage serait au chocolat, puis à l'intérieur, ça serait au chocolat. J'aime beaucoup le chocolat. Le gâteau serait croustillant de l'extérieur et moelleux de l'intérieur. Et avec aussi des fruits dessus, comme des fraises et des bleuets. Il y aurait des petits drapeaux, comme pas comestibles, mais comme juste pour décorer, où il y aurait écrit des mots assez spéciaux et peu communs de la langue française, par exemple « nonobstant ».